à effectuer ou... Comment ça s'appelle ? Le personnage. Voilà. Ça c'est fait. Je pense que d'ici un tour ou deux, ce sera fini la guerre civile. Si vraiment il y a un petit gap dans le jeu au niveau de la politique qui est de créer un empire. Une fois qu'on a toutes les conditions pour créer un empire, bah ça rend les choses beaucoup plus stables politiquement parlant. Il y aura beaucoup moins de guerres civiles. Ah ça y est, enfin ils nous attaquent. On va pouvoir s'amuser un peu. Ils ont quand même de base, hein. Ça c'est des armées qui sont apparues en un tour, ils ont des prétoriens, en plus ils ont un équipement de niveau 2, donc c'est plutôt cheaté quand même. Bon là encore ça va, parce que je me suis préparé à faire cette guerre civile, je les ai provoqués. Mais quand on subit la guerre civile, avec Rome notamment, surtout au début du jeu, quand on n'a pas encore débloqué les unités de fin de jeu, et que l'ennemi a d'office des prétoriens, bah franchement, tu pleures quoi. Ils ont des échelles. Là, de toute façon, ils pourront pas escalader de ce côté-là. Je vais mettre des prétoriens sur les murs. Voilà, pour le coup, ça va être un carnage, je pense. Tu peux attaquer une cité avec une seule armée. Quand là-dedans, il y a une légion avec des prétoriens. Bah, généralement, ça se passe pas trop bien. Ouais, je pourrais les mettre sur les murs, mais ils ont pas une portée incroyable. C'est des tirailleurs, hein. Ce n'est pas des archers. Je vais plutôt les mettre à l'extérieur de la ville. Ouais, bon, c'est assez bordélique, là. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. For battle than defending these walls. Let our foes wear themselves out coming to us. De base, quand on attaque une ville, ils ont que 4 échelles. Ah tiens, nos renforts, ils arrivent par où? Par là. Je pense que même sans les renforts, c'est largement jouable. Je vais les déplacer dans la ville au pas, tranquillement. Ça, ça va les préserver un petit peu. Et pour ceux qui ne savent pas, l'IA ou un joueur peut quand même détruire les portes avec des torches en demandant à des unités d'attaquer la porte. Donc même s'ils n'ont que 4 échelles, ils peuvent totalement casser la porte et passer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais affecter quelques unités. Au niveau des portes, est-ce que c'est possible qu'il la casse? Quoi ça comme unité déjà? Ah les vigiles. C'est vraiment pas ouf. Medic troops awaiting orders.
et les faire monter sur les murs, ce sera toujours mieux que rien. Ils ont eu aucune perte quasiment avec les tours. Je sais pas si c'est les tours qui sont mauvaises ou bien les prétoriens qui sont bien armurés. Vraiment, je déconne pas, je pense qu'ils ont dû avoir une perte ou deux, grand maximum. Donc là, je vais blinder la porte parce que quand ils vont casser les portes avec leurs torches, ils vont tous débouler les prétoriens. Et à ce moment-là, vaut mieux avoir la masse du monté. C'est mon général derrière parce qu'il est assez faiblard. Je sais pas si mes tirailleurs là, de ce côté-là sont efficaces. Ils sont en train de tirer dans le tas. C'est vrai que les prétoriens sont plutôt cheatés à ce niveau-là. Ils ont une bonne défense. Activer le mode garde parce que dans les sièges c'est assez chiant. Si on n'active pas le mode garde, des fois on demande à une unité d'attaquer quelqu'un et on oublie un peu par la suite et ils les poursuivent et se font massacrer. C'est assez cool. Ah, ils sont tous en train de monter aux échelles. Pas commencer à attaquer les portes. Ouais, il y a moyen de faire une sortie. De les attaquer quoi. Ah non, d'accord, ils passent pas par les portes du coup. Je sais pas par où ils veulent passer, mais... Bon bah, c'est pas possible. Ça aurait pu être une possibilité. Ah, ils sont en train de tirer sur les cavaliers. Ah, très bien. J'ai envoyé des renforts. One of our units has used all its ammunition. Voilà, clairement, des renforts, ce serait pas de refus. Ouais, bien ça. Ils sont très efficaces pour le coup les tirailleurs. The battle is turning in our favor. Ah là, ils prennent des pertes terribles. C'est une cible de choix. Praetorian
Ce genre de bataille, ça me fait penser au même avec les deux Spider-Man qui s'accusent l'un et l'autre. One of our units has used all its ammunition. C'est dommage qu'ils aient pas plus de munitions, honnêtement. Ouais, il ferait un carnage, hein. An entire unit has perished. Franchement, on va regarder après le nombre de kills qu'ils ont fait les tirailleurs, mais voilà, ils s'amusent. Hein. Peut-être des kills alliés dans l'eau, mais de manière générale, on est en train de les reculer, les repousser. Pardon. Là, les cavaliers sont commencés à détruire les portes. Ah, le combat fait rage. Il est assez long le combat. Mais ça tient. Se resserre. Praetorian Guard. Back now. Melee troops awaiting orders. On est par là. Units has used all its ammunition. Jupiter gives us strength. Understood. One of our units has used all its ammunition. Pas longtemps là, les portes seront cassées. Mais ça va. Ça prend un certain temps. On va voir comment ça se passe de ce côté aussi. Là, ils sont encore un petit peu plus nombreux. Ils sont 49, 73, 31, 66. Ça a bien réduit leur nombre là. En 3. Our men flee the field of battle. This is a shameful display.
pas quand les renforts arrivent. Ils arriveront bientôt. Ils sont presque en déroute. One of our units has used all its ammunition. Armed warriors! Reform! Be on guard! Take aim! Ah, ça y est, là, ça va. Les portes vont être détruites bientôt. Ils vont pas tarder à attaquer. Faire un carré. Square formation. Ça les a reboostés un peu là, j'ai l'impression. Our gates are utterly destroyed. Spear infantry. Normalement, il y a de l'huile. Ah non, j'ai pas encore fait la recherche. Alors je contrôle pas la porte avec pour ça. Legionary cohort. Victor. Sons of Mars. Là c'est une erreur clairement parce que leur général va probablement mourir. Fuir le combat. Du coup, tout le reste de leurs troupes vont être démoralisés. Ça m'arrange parce que les prétoriens sont assez solides au combat, corps à corps. Par contre là s'il commence à sortir des murs ça m'arrange pas du tout. Jusqu'au bout. Hein. Généralement, ce genre de bataille, ça dure très longtemps. Comme ça, ce sera très précis. Ah, quoi que. Je sais pourquoi ils ont besoin de se rapprocher autant, par contre. Ils se battent vraiment jusqu'à la mort, c'est incroyable ça.
Ah, les renforts sont en train de passer les portes. On va les faire courir par contre. Ah ça y est, là ils vont flancher, enfin, depuis le temps. Leur cavalerie, hein, elle tient bon. The enemy general is dead. Ah, ça c'est bien. Peut-être que grâce à ça, la bataille sera un peu moins longue. Peut-être que la vue des renforts, ça va les démoraliser. Si je les place ici, ils pourront tirer avec leur pylône. Oh, le nombre de cadavres là, incroyable. De faire quitter le champ de bataille là, je vais essayer de les mettre par là. Ils sont plus nombreux. Et la plèbe là qui est en train de prendre tarif, mais c'est très grave. Là, ils ont pris cher quand même. An entire unit has perished. Eagle cohort. Je vais les mettre par là. Ça, on va les faire monter sur les murs. Eux, je vais descendre parce que voilà, ils ont subi quand même pas mal de pertes. Ça sert à rien de les faire combattre plus longtemps, à part perdre d'unité. Je suis épaté de la résistance de la cavalerie prétorienne au corps à corps. C'est quoi? C'est des cohortes d'aigle. Je sais pas s'ils peuvent tirer d'en bas avec leur javelot. Des munitions. Ce que je vais faire, c'est que je vais les replacer par là. Chose que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure, en vérité. Comme ça, ils pourront être utiles. Et pour le moment, ça avance pas trop. Non, mais passez pas par là, hein. Soyez pas suicidaire.
tentation suicidaire. À tirer un peu plus haut quand même. Ouais, je sais pas pourquoi eux ils se sont dit qu'ils allaient combattre au corps à corps. C'est pas du tout ce que j'avais demandé. Des fois l'IA est pas toujours très pertinente dans ses mouvements. De feu. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas pourquoi ils bougent comme ça. Qui sont en bas, ils sont en train de tirer, ça c'est bien. Mais je sais pas pourquoi mes tirailleurs là, ils veulent pas tirer. C'est bien que les légionnaires soient en train de tirer. Mais ils ont pas beaucoup de munitions. Là. Là, de ce côté, ils sont toujours en train de se battre. C'est un truc de fou. Je pense que ce que je vais faire, c'est que dès que le passage est libre, on va monter sur les échelles pour les attaquer sur le côté. Hein. Sinon, on y est encore demain. Ah, ils vont fuir. Merci quand même. Et là, c'est le massacre total. Ah, ils sont sérieux, on peut même pas admirer ça. Ouais, victoire serrée, je suis pas sûr. Ils se sont bien battus, hein. C'est vrai qu'ils se sont bien battus, mais on a eu que 1500 pertes après. Ouais, c'est vrai que c'est 1500 pertes sur une armée, mais eux ils en ont eu davantage. Perdu deux légions, enfin deux légions de cohortes. Oh les fourbes, ils ont recruté plein de mercenaires. Ah, il porte bien son nom, lui. Légion 5 Rapax. Oh, les rapaces. Non, mais sérieusement. Parce qu'ils ont fou l'argent pour recruter des mercenaires.